souviens-toi de notre crainte quand il faut répondre à Dieu. Apprends-nous, ô Vierge Sainte, le secret d'un oui joyeux. Avec toi, Vierge fidèle, nous
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis pèlerins, nous voici rassemblés par le Seigneur pour une dernière Eucharistie ensemble. Nous voulons lui offrir déjà les fruits du pèlerinage et ces quelques corbeilles, ces quelques objets apportés par nos frères de la Guadeloupe en sont le signe auprès de l'autel. Ce sont les fruits du pèlerinage, c'est le fruit de nos vies que déjà nous remettons au cours de cette Eucharistie au Seigneur. Mais nous voulons encore lui demander son pardon, nous laisser sauver par lui. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions le Seigneur. Dieu qui, par la puissance du Saint-Esprit, a envoyé ton Verbe porter la bonne nouvelle aux pauvres, fais qu'en gardant les yeux fixés sur lui, nous vivions toujours dans une charité sincère pour annoncer l'Évangile et en témoigner dans le monde entier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. La reine de Saba avait entendu parler de la renommée de Salomon, qui faisait honneur au nom du Seigneur. Elle vint donc pour le mettre à l'épreuve en lui proposant des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une escorte importante, des chameaux chargés d'aromates et d'une énorme quantité d'or et de pierres précieuses. Quand elle fut parvenue auprès de Salomon, elle lui exposa les questions qu'elle avait préparées. Mais Salomon trouva réponse à tout et ne fut arrêté par aucune difficulté. Elle en eut le souffle coupé et elle dit au roi : ce que j'ai entendu dire dans mon pays sur toi, et sur ta sagesse, c'était donc vrai? Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a montré sa bienveillance en te plaçant sur le trône d'Israël. Parce que le Seigneur aime Israël pour toujours, il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Parole du Seigneur. Christ, notre Pâque, tu as semé dans les larmes et moissonné dans la joie de ta sainte résurrection. Christ, notre Père, tu as semé dans les larmes et moissonné dans la joie de ta sainte. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en temps de fête. Amen.
Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël.
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui offrirent leurs coffrets et offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une déroute, frères et sœurs, un changement de cap. La reine de Saba est venue trouver la sagesse et elle l'a rencontrée dans le Seigneur que sert Salomon. Les mages venus d'Orient cherchaient le roi d'Israël, tout juste né. Et ils ont rencontré le Seigneur de la vie, le Seigneur de leur vie. Tout s'est passé au prix d'une déroute et d'un changement de cap. Une réorientation, une reconversion. Passer par un autre chemin pour retourner chez soi. Alléger les bagages. Laissez les aromates et les épices à Jérusalem. Déposez l'encens, l'or et la myrrhe dans une pauvre maison, près d'une femme, d'un homme et d'un nouveau-né. Laissez ce qui se compte et se pèse. Laissez pour trouver enfin le bien que nul ne pourra nous ravir. La reine de Saba, comme les mages, ont vraiment bougé. C'est d'autant plus net qu'Hérode, lui, reste enfoncé dans sa royauté de mort, dans son rien, qui a le pouvoir de tuer tous les garçons de moins de 2 ans dans la région de Bethléem.
la reine de Saba, comme les mages, sont des gens du voyage. Comme tout pèlerin, ils ont quitté leur maison, comme Abraham. Amis pèlerins, le secret d'un pèlerinage tient en ceci. Quitter définitivement le lieu de mon habitude. Alléger le cœur, éprouver ma liberté, être affranchi des faux maîtres et des images. Trouver enfin mon Seigneur et le Sauveur. Il y a eu ce battement de cœur, comme le cœur amoureux, saisi par l'émotion. Tu sais, lorsque ta vie est tout entière dans l'heure que tu vis, quand tout est là, en même temps, en toi, quand le Seigneur regarde toute ta vie et qu'il la prend entièrement dans la sienne, la joie. La joie est une émotion et encore autre chose. Il y a, amis pèlerins, ce dépouillement, chaque jour, surtout en voyage vers l'inconnu. Et il y a la confiance qui va avec le dépouillement. Seigneur, je te laisse ma vie. Ami pèlerin, tu es allé te plonger dans une piscine à Lourdes. Souviens-toi, tu as tout laissé là, au bord de l'eau. Et le Seigneur t'a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. La vie que tu m'as laissée, je l'ai prise avec moi. Et avec moi, cette vie, tu la tiens désormais pour toujours. Personne ne te l'enlèvera. La joie, ami pèlerin, est un dépouillement, mais un dépouillement avec le Seigneur, comme le larron. Tu vois bien, depuis 4 jours, je ne t'ai pas parlé des super apôtres. As-tu vu passer Paul de Tarse, Pierre, Jacques et les autres? Non. S'il t'était présenté, j'imagine que tu me dirais, mais je ne suis pas apôtre, ce n'est pas pour moi la mission. T'ai-je parlé de Saint Dominique, qui a fondé l'ordre des prêcheurs, voici 800 ans? Non. Parce que tu aurais encore pu botter en touche. La mission, c'est pour les dominicains et les dominicaines. Regarde plutôt, amis pèlerins, regarde Marie, Élisabeth, Joseph, le bon larron. Regarde Salomon, la reine de Saba, Balthazar, Melchior et Gaspard. Soit des gens inconnus à leur époque, soit des païens, ou presque. Le rosaire cette année te propose cette compagnie de saints pour que tu sois sûr. Sûr de quoi ? Sûr
que ton cœur bat. Sûr que ton cœur bat et que c'est le premier pas de ta mission. Un cœur qui bat. Pour que tu sois sûr, pèlerin, que te voici dépouillé et que c'est ta condition, la nôtre, à tous, être vivant et être dépouillé. Dans la vie et la pauvreté, tu as pu regarder dans ton propre cœur le lieu où tu rencontres le Seigneur Jésus, l'émotion et le dépouillement confiant. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est bien ce qu'ont vécu d'abord les super apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean et les autres. En rencontrant Jésus, l'émotion et le dépouillement confiant. En rencontrant Jésus, car c'est lui ta joie, et personne ne te l'enlèvera. Alors, tu vas rentrer, je vais rentrer, nous allons rentrer chez nous par un autre chemin. Le chemin qui s'est ouvert pendant ce pèlerinage en toi. Le chemin qui s'est ouvert en moi, en nous. Nous allons rentrer par cet autre chemin. Ta mission, persévérer sur le chemin. Cette année, tu entendras les politiques te parler. Souviens-toi qu'ils sont Hérode. Tu seras tenté par la facilité de l'argent ou les commodités de la technique. Souviens-toi que ni l'argent ni la technique n'existent dans ton cœur qui n'a pas de prix. Peut-être, ami pèlerin, peut-être que la mort viendra frapper à ta porte. La mort du grand jour de départ, oui, mais aussi la mort quotidienne dans l'épreuve de santé, dans l'abandon des tiens, dans le désespoir. Ta mission, de tout ton cœur, quand vient la mort, regarde-la bien en face. Dépouillé et vivant, tu la vaincras au moment où elle te saisit. Pourquoi et comment? Tu la vaincras parce que tu appartiens de corps et d'âme à celui qui vit en toi. Ta mission, vivre chaque minute avec le Christ Jésus. Ta joie, être pour le Christ Jésus, un frère, une sœur, une mère. Alors, ami pèlerin, que tu parles ou te taises, que tu dormes ou que tu travailles, dans tes larmes et ton rire, le règne de Dieu sera annoncé en toi et autour de toi. Le violent se tiendra calme. Le menteur
aura la bouche close. Le sot deviendra intelligent. Le fou approchera la sagesse. Et ta conversion à toi, ami pèlerin, ta conversion au Seigneur se poursuivra encore et encore jusqu'à ta résurrection d'entre les morts. Alors, pèlerin du rosaire, alors le ciel sur la terre, cela n'existera pas seulement à Lourdes, 4 jours par an. Alors le ciel sur la terre, ami pèlerin, ce sera chaque jour, chez toi. La quête de ce jour est réalisée au profit du sanctuaire de Lourdes. Merci pour votre générosité. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bienveillance, Seigneur, sanctifie ces dons et dans ta bonté, accueille l'offrande que nous te présentons humblement pour que nos corps deviennent un sacrifice vivant et saint, capable de te plaire. Accorde-nous de te servir, non pas selon l'homme ancien, mais dans une vie nouvelle, selon ton esprit, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout de ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Nicolas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te prions spécialement pour toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche du pèlerinage. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons chanter. Thank you.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Thank you.
Prions encore le Seigneur. Renouvelés intérieurement par cette nourriture du corps et du sang précieux de ton Fils, nous te supplions, Seigneur. Donne-nous un cœur et un esprit nouveaux pour marcher avec persévérance dans une vie nouvelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis pèlerins, encore quelques annonces. Et je dois les commencer en demandant pardon aux 140 pèlerins
qui n'ont pas pu prendre part au spectacle à la cité Saint-Pierre, faute de bus pour les emmener. Merci, frères et sœurs, pour votre miséricorde. Ceux qui n'auraient pas pu communier pourront le faire, comme d'habitude, à la fin de la messe, derrière la Vierge couronnée. Les boîtes pour emballer vos mystères du rosaire sont disponibles, au moins jusqu'en début d'après-midi, sur présentation du livret. Mais ne tardez pas à les demander aux hôtesses afin de leur permettre, à elles aussi, de ranger leurs paquets. Vous pouvez encore vous procurer le CD de la chorale, ainsi que les homélies et la conférence du frère Philippe Dockwiller, disponibles en livret et en CD. Pour les pèlerins qui ne partent pas maintenant, vous trouverez des suggestions d'activités pour l'après-midi, ainsi que les horaires des messes dominicales en région, aux pages 143 et 144. Enfin, comme chaque année, vous êtes invités à prier la neuvaine d'action de grâce que vous trouverez à la page 154. Chers amis pèlerins, je ne sais pas si, comme moi, vous avez bien entendu. Le frère Philippe disait tout à l'heure, « Le ciel sur terre, ce ne sera plus seulement à Lourdes, mais ce sera chaque jour chez toi, chez moi. » Le ciel était-il vraiment à Lourdes? Oui, je le crois. Nous avons touché pendant ces quelques jours la réalité de la grâce qui s'est donnée à nous et que nous nous sommes communiqués les uns aux autres. Nous avons cheminé au pas des mystères joyeux et nous avons essayé de mettre en pratique l'Évangile. Et je crois que cela nous a rendus heureux. C'était la mission que je vous donnais au début de ce pèlerinage. Vivre le commandement de l'amour, vivre l'Évangile, en être heureux et en sourire. Frères et sœurs, amis pèlerins, mission accomplie. Bravo et merci. Bravo et merci parce que ce n'est pas si facile pour moi de dépasser ces agacements, ces colères, ces fatigues. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Ce n'est pas si facile pour vous de dépasser les impatiences des autres, leurs injustices parfois. Ce n'est pas si facile de voir la vraie réalité, l'amour de Dieu qui se communique. Nous avions trop l'habitude jusqu'à ce pèlerinage de voir ce qui ne va pas. Non, pendant ce pèlerinage, nous avons vécu de la grâce. Merci à chacun, qui que vous soyez, bénévole, salarié, que l'on vous voit ou qu'on ne vous voit pas. La liste est tellement longue, trop longue pour la citer. Chacun, chacune d'entre vous a suivi les pas du Christ. Et c'est pour cela que notre pèlerinage est beau. Aujourd'hui, ami pèlerin, tu vas repartir. Je vais repartir de Lourdes. Mais vas-tu fermer la parenthèse? Non,
Tu l'as remarqué sur ton livret, la parenthèse reste ouverte. Tu as fait, nous avons fait l'expérience de la joie de l'Évangile. Et cette joie, tu ne peux pas la garder pour toi. Tu ne peux pas être pleinement heureux si le monde, si les autres ne goûtent pas à ta joie. Je te confie donc aujourd'hui plusieurs nouvelles missions. La première, la voici. Témoigner, redonner à pleine main ce que tu as reçu. Pour cela, il y a tout ce qui est dans ton cœur vivant. Il y a tout ce que tu retrouveras sur les réseaux sociaux, sur Internet, les conférences que tu pourras re-regarder sur le site du sanctuaire, sur le site du rosaire. Il y a, ami pèlerin, ce lien qui s'est noué entre les internautes et nous, ceux qui nous regardent, ceux qui ont déposé des intentions de prière, 20 000 intentions. Qu'allons-nous en faire? Au moment où je vous parle, des jeunes se déplacent et vous confient à chacun d'entre vous une intention. Ami pèlerin, prends cette intention. Prends-la chez toi. Prends-la dans ton cœur. Et chaque jour, confie ce pèlerin anonyme qui est derrière cette intention. Confie-le, ce pèlerin, cet internaute, au cœur de Dieu. Emmène ce pèlerin avec toi. Emmène cette intention chez toi. Et surtout, prie-la. Troisième mission. Pour que le ciel, ce soit chaque jour chez toi, chez moi, il y a aussi, encore et toujours, les cartes. Maintenant, vous avez des jeux de cartes complets. Non, pas tous. Il y a le frère Guilin, Marie, notre cérémonière. C'est sa fête. Il n'a pas encore réussi à voir tout le jeu. Il y a aussi Monseigneur Gachignard. Ce n'est pas de sa faute, il est arrivé en retard. Alors, frère Guilin-Marie, Monseigneur, voici deux jeux de cartes, complets. Vous êtes des privilégiés. Monseigneur, je vous explique le principe. 20 cartes. Vous n'avez pas besoin de les échanger, gardez-les. Sur chaque carte, il y a une mission à accomplir. Le dimanche, le premier jour de la semaine, vous tirez au sort une carte. Dimanche, c'est demain. Et vous regardez la mission qui est la vôtre. Vous avez une semaine pour l'accomplir. S'il s'agit de lire la parole de Dieu chaque jour, commencez dès demain. N'attendez pas une semaine. Chaque dimanche, donc, vous tirez une carte de mission de vie chrétienne. Faites-le, votre vie en sera transformée. Et faites-le, frères et sœurs, en souriant, même si vous n'êtes plus filmé. Frère Philippe, tu es pour beaucoup dans le chemin que nous avons parcouru. Tu nous as fait comprendre qu'être bousculé, c'était une chance, même s'il ne fallait pas forcément trop bousculer les autres. Être bousculé, c'était une porte ouverte. Tu nous as dit que ce qui te concernait me concernait. Alors, je me suis senti concerné par ce que tu disais. Laisse-moi te faire un petit cadeau. Je me suis renseigné. La confiture que tu n'aimes pas, la voici. La voici, je te l'offre. Et dans cette petite déconfiture, tu vois une porte ouverte et tu souris.
Alors, ça me donne envie de t'offrir maintenant la confiture que tu aimes. Je te la donne pour que tu aies la joie de la partager. Merci encore à toi. Merci à vous tous. Soyons toujours joyeux. Partons joyeux des missions qu'il nous reste à accomplir. Et frères et sœurs, amis pèlerins, à l'année prochaine. Frères et sœurs, nous allons maintenant bénir les objets de piété que vous allez rapporter dans vos familles. Tous ces objets expriment votre foi et ont pour rôle de rappeler l'amour de notre Seigneur, d'augmenter votre confiance dans l'aide de la Vierge Marie et de tous les saints. En appelant sur ces objets et ces images la bénédiction de Dieu, il nous faut avant tout être attentifs nous-mêmes à donner le témoignage d'une vie chrétienne qu'on est en droit d'attendre de nous si nous nous servons de ces objets. Alors je vous invite à les prendre dans vos mains ou à les sortir de vos sacs. Et je vais maintenant les bénir. Tu es béni, Seigneur, source et source de toute bénédiction. Toi qui te réjouis de la piété de tes fidèles, regarde avec bonté tes serviteurs qui désirent porter ces signes de foi et de piété. Fais qu'ils recherchent ainsi à être transformés dans l'image de ton Fils. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Accueillez, frères et sœurs, cette ultime bénédiction pour votre route. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Magnificat, magnificat, mon cœur.